Encore ton petit carton, toi. Alors, bon matin tout le monde. Euh, bonjour à toutes et à tous, je suis content de vous revoir. Déjà rendu à la semaine numéro 3, donc euh, c'est plaisant, ça avance bien. Euh, J'espère que vous y trouvez aussi euh, du plaisir et que vous trouvez non de carton. Je pense qu'il y en a qui ont besoin de, de, de carton pour mettre leur prénom, euh, m'afficher leur prénom, s'il vous plaît, sinon... Simplement sortir celui que je vous ai déjà donné. Donc, comme je vous disais, ça avance bien. Moi, je trouve que, je trouve que à date, ça travaille bien en classe. Donc, on va, on va avoir la même démarche pédagogique aujourd'hui. On va essentiellement passer le temps sur un, un problème à résoudre, mais qui sert uniquement à comprendre la matière de la semaine. Il ne sert qu'à ça, celui-là. Donc, c'est une bonne façon, je pense, là, de. En faisant des retours sur la solution ensemble, d'apprendre la matière. Euh, je vous demanderai s'il vous plaît, aussi de fermer votre appareil, votre téléphone cellulaire, comme je vous le demande à chaque semaine. Donc, pour la prochaine heure et s'il vous plaît, veuillez l'éteindre et le ranger. Je vous remercie d'avance. Euh, je je l'apprécie énormément. OK. Aussi, je vous avais parlé un petit peu des élections fédérales qui, avaient eu, qui ont eu lieu ce lundi. Je vous en avais parlé la semaine passée. Je vous avais incité à aller voter. Je vous avais incité à peut-être amener, convaincre un ami d'aller voter. Donc, euh, je ne sais pas si vous l'avez fait, mais euh, je, le taux de participation est quand même assez bas, 60 dans, à travers le Canada. Là, je peux, peux vous dire que si on compare à d'autres élections, c'est possiblement un des plus bas. Je ne sais pas pourquoi. Et ici, vous avez les résultats euh, presque, presque finaux. Là, il y en a, il y a quelques circonscriptions qui sont encore en, en... où on compte encore les votes. Juste vous rappeler un petit peu comment ça fonctionne. Des, des élections de ce genre-là. Donc, le Canada est séparé en 338 circonscriptions. Donc, il y a comme 338 mini-élections à travers le Canada où chaque parti présente un candidat. Et tout le, donc, on va élire dans cette soirée-là, on va élire 338 députés qui vont chacun avoir un droit de vote au Parlement et qui vont donc voter toutes nos, 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 nos lois. Donc, essentiellement, vous voyez ici les résultats. Euh, juste avant de vous montrer les résultats, oh, voilà. ben, Donc, 158 libérales, 119 pour les conservateurs, 34 pour le Bloc québécois. Pour votre information, le Bloc québécois, c'est un parti fédéral, mais qui présente des candidats juste au Québec, parce que elle, sa mission à lui, euh, c'est de protéger les intérêts des Québécois. Donc, on peut, on peut voter pour un candidat bloc, bloc, bloquiste seulement au Québec. 25 pour le NPD euh, et 2 pour les Verts. D'accord? Euh, ce on appelle, donc, ça, c'est ce qu'on appelle un gouvernement minoritaire. Pourquoi on appelle ça un gouvernement minoritaire? C'est que le, 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 le parti libéral qui est gagnant et qui, en vertu de la loi électorale, est donc nommé euh, gouvernement. Les députés vont être, vont être euh, nommés euh, comme étant le gouvernement pour euh, les prochaines années. Ben, vous comprenez que s'ils si, n'ont pas la majorité, hein? donc euh, si on prend 338 circonscriptions qu'on divise par deux, ça veut dire que la moitié, c'est 169. Plus un, ça prend plus un pour vraiment être pouvoir diriger seul. Donc, c'est pour ça qu'on dit que la majorité est à 170 circonscriptions. Si les libéraux avaient gagné 170 circonscriptions, bien, vous comprenez qu'au Parlement, dès qu'ils proposeraient une loi, automatiquement les 170 de la même équipe députés lèveraient la main. Toujours dans le même sens, puis voteraient toujours dans le même sens. Donc, à eux seuls, ils pourraient voter à l'unanimité, 50 plus 1, pourraient toujours, toujours voter à l'unanimité l'ensemble des lois. Ils n'auraient pas besoin de négocier avec les partis d'opposition ni avec personne d'autre. D'accord? C'est ce qui n'est pas arrivé. Donc, là, c'est ce pour ça que si c'était le cas, on aurait appelé ça un gouvernement majoritaire. Ici, on appelle ça un gouvernement minoritaire parce qu'avec 158 députés, ce n'est pas assez. Juste leur gagnent ensemble pour faire passer des lois, ils n'ont pas la majorité. C'est donc dire qu'ils doivent négocier avec les partis qui. soit le bloc, soit le NPD. C'est ce qu'on appelle avoir la balance du pouvoir. On dit que le bloc et le NPD ont la balance du pouvoir parce qu'ils sont incontournables. À chaque fois qu'une loi est. À chaque fois qu'un projet de loi n'est pas. Euh, on n'est pas certain qu'il va être. À, que, les, quand le NP, les libéraux veulent proposer un projet de loi, ils n'ont pas le choix d'être certains que l'un des deux partis qui a la balance du pouvoir euh, vote comme eux. Donc ça leur prend au moins 12 votes supplémentaires à chaque fois. Donc ils vont aller essayer de convaincre le bloc ou le NPD de voter hein, comme eux et souvent ça amène les négociations le parti que le, le, la balance du pouvoir va dire Oui, je suis prêt à t'appuyer, mais moi, je pense que pour le Québec, tu devrais peut-être changer tel tel parti. Le libéral va possiblement devoir faire des. Donc, donc vous voyez, comprenez qu'il y a une notion de compromis qui va, qui va s'opérer avec un gouvernement mi minoritaire. Donc, possiblement que c'est un des avantages d'un gouvernement minoritaire. L'inconvénient, certains diront que le Parlement va moins vite. C'est sûr que ça va moins vite, ça demande plus de négociations. C'est sûr que si toi, tu es libéral et que tu voudrais voir leur, parti, leur programme politique passer parce que tu les aimes et que tu es d'accord avec tout ce qu'ils proposent, tu aimerais mieux qu'ils soient majoritaires parce que ça se ferait plus vite sans négociation. Si tu es quelqu'un qui n'a qui, qui, qui pas voté libéral et que ce n'est pas nécessairement ton parti préféré puis que leur, leur programme politique ne te rejoint pas tant que ça, ben, tu vas être content qu'ils doivent négocier avec d'autres partis pour. Euh, euh, passer leur loi. Donc, possiblement que ce soit des choses que vous saviez déjà, mais je voulais juste vous en glisser un petit mot. OK, alors si on vient à nos moutons, notre plan de travail est semaine 3. Donc, vous avez vu en faisant le travail avant le cours sur quoi on allait travailler aujourd'hui. Donc, on rentre vraiment dans le vif du sujet à partir de cette semaine. On va aller vraiment voir. La structure d'une déclaration de revenus en entier, avec ses différentes composantes calcul du revenu, calcul du revenu imposable, calcul de l'impôt. Donc c'est vraiment une présentation sommaire qu'on va en faire aujourd'hui, euh, mais c'est intéressant là, parce que c'est très concret. Là. Euh, on n'a pas la déclaration de revenus dans les mains, mais c'est presque la même chose. Donc euh, on va passer la, la journée sur un problème. On va terminer la, la, la journée avec le petit défi out, Il y aura l'enregistrement Zoom qui va apparaître ici tout à l'heure. Je vous rappelle que dimanche soir, il faut compléter le questionnaire de la semaine 3. D'accord C'est comme ça à chaque semaine. Et le plus important, je l'ai souvent dit, vous avez, je vous ai envoyé aussi un courriel en début de semaine, le plus important, vous devriez mettre beaucoup, beaucoup de temps, même la majorité de votre temps sur les problèmes d'ABQI en fiscalité. C'est ce qui va vous préparer à l'examen. Tout le reste, c'est facile. Faire des lectures, c'est facile. Écouter des capsules vidéo de 10-15 minutes où je te raconte une affaire sur un seul sujet. Sans trop parler d'exceptions, sans trop parler des détails, c'est juste le concept général, c'est facile. Tu te sens en confiance dans ces parties-là. Le petit questionnaire de 10 sur 10, c'est facile. Tu te sens en confiance dans ces parties-là. Tu sais, Ce n'est pas dur, le 10 questions à choix multiple, que tu peux reprendre autant de fois que tu veux. La question a deux lignes de long, elle traite un sujet. aller voir dans ton volume, tu la connais tout de suite la réponse. Ce n'est pas ça des questions d'examen. Ça, c'est juste les premières étapes de ta formation. Il faut passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est de mettre tout ça ensemble, de consolider ces, ces notions-là dans des problèmes que vous allez répéter, qui sont amenés différemment, qui ont des nuances, qui ont des exceptions, où l'information est présentée autrement, ou peut-être qu'il y aurait de l'information superflue. Vous savez, c'est quoi de l'information superflue? Ça m'aide beaucoup les étudiants, ça. Une information dans une, un énoncé qui ne sert à rien, qui n'influence pas la réponse. Ça, ça fatigue les étudiants. Mais dans la vraie vie, tu es enseveli d'informations superflues. C'est ça, la vie. Donc, il faut aussi développer ce genre de compétences-là. C'est un peu ça que, que je veux développer en vous, puis tous les profs le font. C'est pour ça que je vous dis, là, je l'ai répété, répété, euh, je ne le répéterai plus, je pense, là, de, de, vous devez mettre beaucoup de temps sur ça. Est-ce qu'il y a des questions à date sur euh, ce qu'il qu y avait à faire, -ce que, sur, le, sur quoi on va travailler cette semaine? Pas de questions? Good. OK, alors euh, je vais aller vous montrer le... Je prends une dizaine de minutes, pas plus. Je vous montre grosso modo le portrait du sujet 3, parce que moi, dans ma tête, c'est déjà maîtrisé, ça a été lu, les vidéos ont été écoutées, vous avez posé des questions sur Wikifisq au besoin. Donc, c'est maîtrisé. Je prends 10 minutes juste pour vous, mettre, vous rappeler les grandes lignes de ce sujet-là, et tout de suite, on attaque un problème dans une dizaine de minutes. Ce que je vais vous montrer là, c'est exactement ce que vous allez devoir reproduire dans le problème. Ok, euh, le mot important ici, dans tout ce problème, dans tout ce sujet-là, le mot le plus important, c'est le mot structure. Ok, ce que je suis en train de vous montrer, c'est comment est structurée une déclaration de revenus. C'est juste de vous présenter qu'il y a trois grandes composantes là-dedans un calcul de revenus, un calcul de revenu imposable, un calcul de l'impôt. Mais on n'est pas encore en train de, déta, de détailler quels revenus on va inclure dans la déclaration, quels revenus on n'inclura pas, quelles dépenses on peut déduire, quelles dépenses on ne peut pas déduire. Ça, on va voir ça dans les prochaines semaines. C'est juste qu'avant de rentrer dans le détail d'une déclaration de revenus, on veut juste faire un cours plus sommaire. C'est vraiment très, très sommaire où vous voyez une vue d'ensemble d'une déclaration de revenus peut-être pour la première fois de votre vie. Euh, qui sait? Donc, vous l'avez vu à, à vos lectures, hein, il y a trois grandes sections. Il y a une, la première section qui s'appelle le calcul du revenu. J'utilise un jeu de couleurs dans le volume, c'est la section qui est bleue. Il y en a une qui s'appelle le revenu imposable, qui est euh, en vert. Et une dernière section qui s'appelle le calcul de l'impôt, qui est en route. Donc, si on regarde ça ici de façon euh, détaillée, ce tableau-là, ici, c'est le tableau que vous allez avoir au début de chacun de vos sujets. Il vous rappelle en un coup d'œil qu'est-ce que comprend une déclaration de revenus. Donc, première partie du tableau, c'est juste pour vous rappeler qu'il y a différents types de contribuables qui doivent produire une déclaration de revenus. On en a parlé un petit peu la semaine passée. Les particuliers doivent produire des déclarations de revenus puis les compagnies aussi. Et ensuite de ça, première question, première chose à régler, l'assujettissement. Ça ne rien d'aller plus loin si tu ne règles pas la question de l'assujettissement. On en a parlé la semaine passée. Est-ce que tu dois, est-ce que la loi s'applique à toi ou pas? Et ensuite, tu dois compléter les trois grandes sections dont on parle, de, de, dont je vous parle depuis tout à l'heure, calcul du revenu, calcul du revenu imposable et calcul de l'impôt. Et vous voyez les petits bulles, ça veut bien vous rappeler que toutes ces, ces, chacune de ces lignes-là va être étudiée dans les deux prochains cours. Je vous ai dit que fiscalité 1 et fiscalité 2, ensemble, formaient un cours sur la conformité fiscale, un cours de 30 semaines. Bien, dans les 30 prochaines semaines, une par une, on va étudier ces lignes-là. Donc, vous comprenez qu'on ne va pas tout régler ça aujourd'hui. Quand même, vous me disiez aujourd'hui ah hey, Nicolas, j'ai une question sur le revenu d'entreprise, je peux bien te répondre, mais on va passer 9 heures sur cette ligne-là dans, dans des semaines à venir. Ah hey, Nicolas, j'ai une question sur le revenu d'emploi. Ben, ça peut être un peu même à poser aujourd'hui. On va passer 6 heures là-dessus dès la semaine prochaine, la semaine suivante. Donc, vous comprenez que là, aujourd pour aujourd'hui, on se concentre uniquement sur la structure de la déclaration. Donc, de façon un peu plus imagée, les fameuses couleurs là, revenu, revenu imposable, impôt. Bon. Si on, met, si on met un zoom, donc si on met un zoom, vous voyez un peu plus là, les détails dans chacune des sections. Je reviens ici à la page 56. à la page 60. Donc, je vous donne juste un exemple. Okay? Ça ressemble beaucoup à ce qu'on va, qu va faire aujourd'hui. La première section d'une déclaration de revenus, c'est la section bleue. C'est ce qu'on ce qu appelle, ce qui s'appelle la section le calcul du revenu. Vous voyez les différentes composantes là-dedans. Essentiellement, il y a quatre blocs. Un, deux, trois, quatre. Quatre blocs distincts dans la section bleue qu'on appelle le calcul du revenu. Le premier bloc, on va y mettre tous les revenus qu'on a gagnés dans l'année. Le deuxième bloc, on voit ici, on va y mettre les gains capital et les pertes en capital qu'on a réalisées dans l'année. Un gain capital, c'est, vous l'avez vu dans vos lectures, c'est le fait de vendre un bien plus cher qu'on l'a acheté. Donc, si j'ai acheté un placement, un immeuble, peu importe, et je le revends plus cher que je l'avais acheté, ce profit-là, on appelle ça un gain capital. Et on doit toujours le multiplier par 50 Et ça devient donc un gain de capital imposable. Juste la moitié du gain de capital qu'on va e inclure ici dans la deuxième partie de la déclaration. La troisième partie, c'est un endroit où on va vous accorder des déductions. Donc, dans certaines circonstances, on va, on va les voir en détail le, temps, le, temps, le moment venu. Mais dans certaines circonstances, si vous avez payé des frais de garde d'enfants, vous avez encouru des frais de déménagement. On reconnaît en fiscalité que cette, cette situation-là devrait abaisser votre revenu fiscal. Donc, on va vous accorder des déductions qui, permettent, qui vous permettent d'abaisser le revenu fiscal. Et finalement, le, la, le quatrième bloc, c'est le miroir du premier. C'est les mêmes sources de revenus, mais lorsqu'ils génèrent des pertes. Donc, dans le premier bloc ici, on met les revenus gagnés dans l'année avec une source de revenus. Admettons, une entreprise a généré un revenu. Mais si la, une, dans une autre année, l'entreprise génère une perte, ça se peut, hein? Des fois, ça va moins bien nos, nos, nos affaires. Mais la perte d'entreprise, on va devoir la déclarer dans le quatrième bloc. Donc, euh, regardez ici. Donc, je prends des chiffres au hasard que j'avais mis dans le volume, ok Donc, voici la première la déclaration de revenus d'une personne. Imaginez que cette personne là elle est très occupée dans la vie, elle occupe un emploi. Son salaire est de 90 000 par année. Donc, elle a gagné 90 000 de salaire dans l'année. Du revenu d'emploi, tout le monde comprend que c'est le fait d'être employé. Donc, quand tu t'en vas travailler pour une autre personne, tu es donc dans une relation employé-employeur. Tout ce que tu, veux, tu vas gagner, ça s'appelle du revenu d'emploi. Donc, un salaire de 90 000 et j'ai aussi encouru des dépenses. Dans le cadre de mon emploi, il a fallu que je dépense 5 000 de ma poche pour gagner mon revenu d'emploi qu'on m'accorde en déduction. Donc, mon revenu d'emploi ici va être de 85 000. Donc, à, donc sur la ligne revenu d'emploi ici, on va déclarer ici un plus 85 000. Ce, aussi, je suis très actif, j'ai beaucoup d'énergie. En plus d'occuper un emploi, j'opère une entreprise, j'opère un restaurant. Donc, être propriétaire d'un restaurant, ce n'est pas, pas du revenu d'emploi, ça. Je ne suis pas employé de personne. J'ai créé mon entreprise. Ou je l'ai acheté, peu importe. Et avec mon restaurant, cette année, j'ai euh, généré un chiffre d'affaires de 230 000, puis j'ai encouru des dépenses de 125 000. Ça, c'est ce qu'on appelle du revenu d'entreprise. Donc, 230 moins 125, je vais déclarer un revenu d'entreprise ici de 105 000. Troisième source de revenus, c'est ce qu'on appelle du revenu de bien. C'est un drôle de terme du revenu de bien, qui comprenait ça comme du revenu de placement. Ce n'est pas un peu facile à comprendre. Donc, c'est des revenus qui sont tirés d'un de, de, placement. Donc, si vous détenez un placement et, qui vous le, et que ce placement-là vous génère des intérêts, des dividendes. Des revenus de location, parce que je peux placer mon argent dans un bloc appartement, ça va me générer des revenus de location. Donc, intérêt, dividendes, location, tous ces revenus-là passifs, gagnés, tirés d'un placement, c'est ce qu'on appelle un revenu de bien. Donc, moi, cette année, j'en ai pas. J'ai aucun revenu de bien. Parce que mon seul placement que je détiens, c'est un immeuble locatif. Donc, j'ai placé mon argent, moi, dans un bloc, un immeuble locatif, en espérant de faire un revenu de location. Ça a mal été cette année. Regardez. J'ai fait 15 000 de revenus parce que la moitié de mon, de mon bloc est vide. Il me manque des locataires. Puis j'ai eu plein de dépenses. Le tout a coulé horrible. Donc, cette année, 15 000 de revenus, 50 000 de dépenses. Est-ce que j'ai vraiment fait un revenu de bien? Non. Est-ce que j'ai vraiment fait un revenu de location? Non. J'ai fait une perte de location. Donc, dans la section revenus, on met zéro ici. Et la perte, on va aller la mettre plus bas à 3D. Donc, ici, je vais déclarer ma perte de location de moins 35 000. Finalement, la dernière section qui est ici, euh, donc, on, on se rappelle que j'ai occupé un emploi, j'ai opéré un restaurant, j'ai détenu un bloc appartement qui m'a généré zéro revenu, m'a plutôt généré une perte de moins 35 000. Et finalement, il y a une autre partie, la dernière ici, qui est les autres revenus. Donc, tous les autres revenus qu'on doit inclure dans une déclaration de revenus qui ne proviennent pas d'un emploi, ni d'une entreprise, ni d'un placement, il y en a plein d'autres. Si tu reçois de l'assurance-emploi, euh, si tu reçois euh, des, des pensions alimentaires, on va les voir en temps et lieu, mais il y a plein d'autres sources de revenus hein, qui peuvent exister. On doit aussi les déclarer. Donc, ici, j'en ai reçu pour 20 000. Donc, ça donne pour la première partie, mon premier bloc à 3A ici, là. Si je, donc, je prends, ça donne combien ça? Si on oublie mon 3D pour l'instant, là, je prends juste ce que j'ai mis dans mes revenus, 85 000 de salaire, 105 plus 0 plus 20, de ça donne 210. Donc, si on revient à la page 60, ici, c'est pour ça que vous avez 210. Je viens d'expliquer. De donc, je suis revenu à la page 60. Donc, vous voyez, mon 210 s'explique par mon revenu d'emploi, plus mon revenu d'entreprise, plus mon revenu de biens, qui est de zéro dans mon cas, plus mon revenu, mes revenus provenant d'autres sources. Tout ça donne 210 000. On vient de voir passer aussi ma perte de biens. Tout le monde l'a vu, le moins, le fameux moins 35 ici? 3D, pas de surprise, hein, mon fameux euh, immeuble locatif qui n'a pas trop bien été cette année. Là, On vient, on, on vient de le voir. Continuons mon exemple. En plus, dans mon année, j'ai fait des ventes. J'ai vendu des placements. J'ai vendu des placements. Euh, j'ai un petit portefeuille fait, et j'ai fait des profits. J'ai fait des profits de 60 000 en vendant mes placements. Je les ai vendus plus cher que je les avais achetés, un profit de 60 000 Sans fiscalité, on appelle ça un gain en capital de 60 000 Est-ce qu'on met 60 000 dans la déclaration de revenus? Non. Toujours x50 Donc, on en met 30. Ça, c'est dans la deuxième section, ici. Troisième section, les déductions. Donc, sous certaines, comme j'expliquais tout à l'heure, certaines, dans certains contextes, on va accepter de réduire ton revenu fiscal si tu as encouru certaines dépenses particulières. On va les étudier en temps et lieu. Si tu as encouru des frais de garde, tu as encouru des frais de déménagement, tu as cotisé à ton REER, c'est toutes des choses qui vont affecter, euh, abaisser ton REER, Donc, euh, pardon, abaisser ton revenu. Donc, admettons qu'ici, j'en ai pour 5 000, moins 5 000. Donc, ça fait quoi ça? Plus 210 ici. Plus 30 ici. Donc, plus 210, c'est toutes mes sources de revenus qu'on a vues tout à l'heure. Plus 30, c'est mon fameux gain en capital imposable sur mes placements. Moins 5, qui est ma déduction pour euh, frais de garde d'enfants, disons. Et moins 35, qui est ma perte sur mes immeubles locatifs. Tout ça, ça fait quoi? Plus 10, plus 210, plus 30, moins 5, moins 35? Ça donne 200. Donc, à la sortie de la section bleue, j'ai un revenu de 200 000 Pas un revenu net. Un revenu. Il okay, faut bien s'entendre sur les termes, c'est de la législation. Ça s'appelle le revenu, c'est la partie bleue. Donc, au total, ma partie bleue ici donne 200 000 C'est le revenu. Ouais, mais c'est-tu pareil que revenu imposable? Non, c'est le revenu. On peut-tu dire revenu net? Non, c'est le revenu. C'est beau? C'est une chose qui revenu d'emploi? Non. C'est une chose qui est revenu d'entreprise? Non. C'est du calcul du revenu. C'est le total de la partie bleue. Deuxième partie, la partie verte. On s'en va à la page 93, juste pour continuer l'exemple. Je vois même plus. Je vois même pas mes pages. Page 93. Juste qu'on quitte la section bleue et qu'on s'en aille dans la partie verte. Ici. Page 93. Donc. Quand on a terminé, je vous rappelle qu'à la sortie de ma section bleue ici, j'ai un revenu, hein, un revenu de 200 000 Donc, maintenant, on rentre dans la partie verte. La partie verte, c'est le calcul du revenu imposable. Là-dedans, il y a juste des déductions. Ce n'est pas, pas compliqué. Donc, il n'y a pas de plus. Tu ne peux, peux pas les déclarer des nouveaux revenus à cet endroit-là. Tous tes revenus, tu les as déclarés tantôt. Là. Revenus d'emploi, revenus d'entreprise, mes revenus d'autres sources, ma perte sur mes placements, ma perte sur mon immeuble locatif, tout a été déclaré. là. Donc, là, on ne change rien. Là. Dans, donc, là, on va m'accorder certaines déductions. C'est un peu le même genre de déduction qu'on retrouvait tantôt. Je vous parlais de frais de déménagement, frais de garde d'enfants. C'est le même genre de déduction, mais étrangement, le gouvernement peut accorder la déduction à deux endroits. Des fois, il l'accorde dans le calcul du revenu, des fois, il l'accorde dans le calcul du revenu imposable. Mais ça, dans les faits, ça ne change pas grand-chose. Ça va abaisser le revenu imposable dans tous les cas. Il faut juste être attentif. Quand on vous dit qu'une déduction est déductible dans le calcul du revenu, partie bleue. Quand on vous dit qu'une déduction est admissible dans le calcul du revenu imposable, partie verte. Ici, je me suis qualifié à trois déductions moins 10, moins 2, moins 8. Donc, mon revenu imposable chute à 179 450. Ça, c'est le chiffre de fin de la partie verte. Ça s'appelle le revenu imposable. Ce n'est pas la même chose que le revenu. Ce n'est pas la même chose que le revenu d'emploi. Toutes des termes différents. Dernière section, ça va à la page suivante, le calcul de l'impôt. Donc, à la sortie de la section verte, j'avais un revenu imposable de 179 450. Ici, on a cinq sections, cinq petites sections. Un, deux, trois, quatre et cinq. La première partie, la première section ici dans le calcul de l'impôt, c'est l'application des tables d'impôt. Donc, le revenu imposable qu'on a trouvé à la sortie de la partie verte, il faut l'imposer, lui faire subir les taux d'imposition qui sont en vigueur dans l'année. Donc, à chaque année, on va vous donner, euh, on, va, on va le travailler aujourd'hui, on va vous donner la, une table, la, la, la façon d'imposer le revenu imposable. C'est par palier. Chaque palier de revenu imposable ne subit pas le même taux d'impôt. Je, je vous ai donné un exemple ici qui n'est pas les vrais chiffres, là, mais aujourd'hui, on va avoir les vrais chiffres, mais juste que vous compreniez le principe. Donc, il y a cinq, 30, il y a cinq taux d'impôt différents. 15, 20, 26, 29 et 33. Il faut prendre notre revenu imposable de 179 450 et le découper en tranches. La première tranche de revenu imposable entre 0 et 50 000, donc la première tranche de 50 000, on l'impose à 15 Ça donne ça. La tranche suivante, elle qui se situe entre 50 000 et 100 000, ici, donc encore une autre, une autre tranche d'une valeur de 50 000, on l'impose à 20,5 Ça donne ça en impôt. Troisième tranche, celle qui se situe entre 100 et 150. Donc, une tranche qui a encore 50 000 à l'intérieur d'elle, on l'impose à 26 Quatrième tranche, celle qui se situe entre 150 et 215. Donc, tout le monde voit qu'il y a 65 000 là-dedans. Hein? Euh, oui, ici. Si, euh, non, il faut que j'arrête, par exemple. Il faut que j'arrête à 179. Donc, mon revenu imposable, bien sûr, est, étant à 179, J'enlève les trois premières tranches déjà imposées, donc je vais imposer le dernier, la dernière tranche de 29 000 à 29 Donc j'additionne ça et ça va me donner 32 000 d'impôts. Donc 32 000 d'impôts, c'est l'impôt à la sortie de l'application des tables d'impôts. On appelle ça des tables d'impôts progressives parce que plus le revenu imposable augmente, plus le taux d'impôt augmente. On en parle un petit peu dans le sujet 1. Les plus riches vont payer plus, des taux d'impôt plus élevés que les moins fortunés. Donc, 39 000, c'est le premier chiffre que vous cherchiez. Mais heureux, deuxième étape, cet impôt-là de 39 000 va être abaissé par ce qu'on appelle des crédits d'impôt. Des crédits d'impôt, c'est des situations de la vie qui vont abaisser votre impôt. On va les étudier en temps et lieu. On a deux semaines à étudier là-dessus, les crédits d'impôt. Donc, il y a des crédits d'impôt pour les étudiants, pour les gens qui sont handicapés, pour les gens qui font des dons. Pour les gens qui sont des personnes âgées, on a, il y a 25 crédits d'impôt différents à peu près. On va tous les étudier. Mais l'impact le, le, est toujours le même. Un crédit d'impôt, ça réduit ton impôt. Donc, dans ce cas-ci, je me suis qualifié à des crédits d'impôt hypothétiques 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 crédits. Donc, des crédits qui, au total, donnent 4968. Donc, mon, mon impôt va être abaissé de 39 moins 5 000 environ, et je vais, je vais faire chuter mon impôt à 34 000. Ça, on appelle ça l'impôt fédéral de base. Troisième étape, on va appliquer l'abattement d'impôt du Québec. Ça, c'est une, une réduction dans la déclaration de revenus fédérale. C'est une réduction d'impôt qui est, est accordée uniquement aux résidents du Québec. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Rappelez-vous, on en avait déjà parlé. Qu'est-ce qu'il y a de particulier quand un Québécois fait son rapport d'impôt fédéral par rapport à quelqu'un qui est hors Québec, dans une autre province? Rappelez-vous que, rappelez que tous les Canadiens qui payent leurs impôts fédéraux, en même temps, ils payent l'impôt provincial, parce que le fédéral fait la perception aussi de l'impôt des provinciales dans les autres provinces. Donc, donc, quand un Canadien fait ce rapport d'impôt-là, il paye à la fois son impôt fédéral et son impôt provincial, mais pas un Québécois. Le, Québécois Québé le Québec a dit au fédéral Fais pas la perception de nos impôts provinciaux. On va le faire nous-mêmes. Donc, c'est pour ça que pour les Québécois, on enlève 16,5 ce qu'on appelle l'abattement d'impôt du Québec, 16,5 de l'impôt fédéral de base. Donc, je prends mon chiffre ici fois 16.5, c'est toujours 16.5 ça ne change pas. Donc, pour les Québécois, 5600 de moins. Une question, euh, Marie ève Ça, ça va se régler dans la, dans la déclaration d'impôt provinciale. Je te rappelle qu'au fédéral, tu t'imposes sur tes revenus mondiaux. Peu importe où dans le monde tu as fait tes revenus, tu t'imposes dessus. Quand tu vas faire ta déclaration d'impôt provincial, là, tu vas devoir faire attention pour déclarer ton revenu dans la bonne province. Ça ne changera rien. Ça va toujours être 16,5 de l'impôt fédéral de base. Puis, le, en passant le rapport d'impôt provincial, on ne l'étudiera pas. On passe toute, toute notre formation à scruter le rapport d'impôt fédéral seulement. C'est mon marie Merci. Donc, euh, donc, je viens de faire chuter mon impôt à combien? Moins 34, moins, euh, moins 6, si vous me permettez d'arrondir. À peu près 28 000. Quatrième section, il y a d'autres petits crédits d'impôt. D'accord, il y en a un à vrai dire, étrangement, il y a un crédit d'impôt qui, au lieu de se placer avec les autres ici, se place après l'abattement. C'est une petite, une petite technicalité. Donc, ça, c'est la quatrième étape. Ça va être d'aller appliquer, ça va être bien écrit dans vos notes de cours, le crédit, ce crédit-là après l'abattement. Donc, ai, je me suis qualifié dans ce cas-ci à ben, à peu près à deux petits crédits, là, 500 et 300. Donc, j'arrive à un sous-total de 27 000. 27 700. Ça s'appelle l'impôt payable. C'est vraiment le, le chiffre final de votre déclaration de revenus. Vous pouvez vous coucher le soir puis dire, ou jaser avec votre père et dire C'est tu quoi, pas cette année-là, je vais, je vais payer. 27 700 d'impôt fédéral seulement. Je vais devoir en payer au Québec aussi. C'est vrai. C'est vrai. C'est l'impôt final. Donc, il a été abaissé par des crédits d'impôt et tout ça, là, mais voyez un peu comment il a été construit. Est-ce que ça veut dire que tu dois faire quand tu envoies ton rapport d'impôt au mois d'avril? Rappelez-vous, on a quatre mois après la fin d'année pour envoyer notre rapport d'impôt. Donc, quand tu envoies ce rapport d'impôt-là, est-ce que ça veut dire que tu dois joindre un chèque de 27 000 Non. C'est vrai que c'est ta dépense d'impôt final. C'est vrai qu'au total, tu vas payer 27 000 dans l'année. Mais est-ce que tout ça est à payer uniquement sur production de la déclaration de revenus ou tu en as déjà envoyé de l'impôt au gouvernement en cours d'année? Tu en as déjà envoyé. Tout le monde envoie de l'impôt fédéral régulièrement dans l'année. Si tes es salarié, ton employeur, sur tes payes, va t'en prendre sur chaque paye. Alors, toutes les deux semaines, il va prendre un peu de ton argent puis il va l'envoyer au gouvernement fédéral pour payer à l'avance tes impôts. Donc, tout le monde, tout le monde, tout le monde, si tu n'es pas un employé, mais tu es un travailleur autonome, on va sûrement avoir exigé ce qu'on appelle les acomptes provisionnels. Donc, quatre fois par année, envoie un peu d'argent d'avance au gouvernement. Personne n'a le droit de ne pas payer ses impôts en cours d'année, puis de dire, oh, je vais payer ça à la fin. Tu ne peux pas faire ça. Donc, la dernière étape, c'est de retrancher tous les impôts que j'ai déjà envoyés. Donc, admettons que j'en ai déjà envoyé 25. Bien, vous comprenez que 27 moins 25 déjà envoyés, il me reste 2700 à payer. Ça, ça s'appelle le solde dû. Et c'est ça qui doit être envoyé au 30 avril au plus tard. Sinon, il y aura des intérêts. Imaginez à l'inverse que j'en ai déjà envoyé, non pas pour 25, mais pour 35. Qu'est-ce qui va arriver? Ma dépense d'impôt finale est de 27 puis on constate que j'ai déjà envoyé 35 000 au gouvernement. J'en ai trop envoyé. Donc, le gouvernement va me, donner, va me faire un remboursement. Donc, ce qu'on appelle, ce qu a, ici, j'aurai un remboursement de 7 200. Donc, au 30 avril, quand on reçoit un chèque d'impôt, on est tout content. C'est parce qu'on est en situation de remboursement. C'est parce qu'en cours d'année, on a trop envoyé. Il y a des gens qui disent Hey, c'est cool, je, cette année, je ne paye pas d'impôt, je vais recevoir un chèque. Faux. Tu payes de l'impôt. Tu en as même payé en masse. C'est juste qu'en cours d'année, on t'en a trop perçu. Je pousserais même en disant ce n'est pas un bon signe d'avoir un remboursement. Moi, je ne suis pas content. Je déteste recevoir des remboursements en fin d'année. J'ai une tête financière comme vous. Qu'est-ce que ça veut dire si je suis en situation de remboursement en cours d'année, à la fin de l'année? Ça veut dire que j'en ai trop envoyé dans l'année. Cet argent-là, pourquoi j'ai envoyé au gouvernement? Le gouvernement l'a placé à ma place, a fait de l'intérêt là-dessus, puis il m'en redonne à la fin de l'année. J'aurais beaucoup aimé mieux en envoyer le moins possible au gouvernement, garder mon argent pour moi, faire mon rendement sur mon argent moi-même, puis à la toute fin, laisser aller. Moi, avoir un, un à payer ici très, très gros, je suis content. Yes! J'ai retardé le plus possible mon paiement d'impôts, puis au 30 avril, je laisse aller le montant. Je n'ai pas le choix. Mais l'être humain, il n'est pas comme ça. L'être humain est normal. On comprend que quand on n'a pas prévu le coup, c est, c est pas, des fois, ce n'est pas plaisant d'avoir un seul à payer, puis c'est plaisant d'avoir un remboursement. Mais on peut aussi le rationaliser. Est-ce qu'il y a des questions sur cette structure-là? De toute façon, vous allez avoir à les faire. C'est là-dessus qu'on va travailler aujourd'hui. Donc, vous allez exactement devoir faire ça pendant tout le cours, construire un revenu au complet, une partie bleue, construire une partie verte au complet, construire un calcul de l'impôt, la partie rose. Au complet avec des chiffres qui vous sont donnés. Donc, si on va voir ça ici, euh, dans votre portail de cours, si vous allez voir la section documents, vous allez voir le travail de la semaine 3 qui est ici. Et je vais vous laisser regarder ça, mais donc, euh, on, va, on vous demande bien sûr de calculer le revenu, le revenu imposable et la partie rose de solde dû pour M. Éric Bolduc, qui de façon éparpillée, vous donne toutes ces opérations pour l'année. Donc, bien sûr, ce n'est pas dans l'ordre. Ça serait trop facile de les prendre un par un et de les mettre dans l'ordre dans la déclaration. C'est un peu pâle-mêle, comme n'importe quel client vous enverrait son information. Mais tout est là. Donc, il vous reste juste à construire les, euh, euh, à construire les, les, le, construire les revenus, ce que vous ai demandé, revenus, revenus imposables et impôts, de la bonne façon. Vous pouvez vous entraider, il n'y a pas de problème. Euh, on va le faire. Euh, on va le faire en étapes. Ici, donc, regardez, ça ici à la page euh, 60, là, c'est toute, toute la, on, on l'a le fait l'exemple tantôt, c'est le, de façon imagée toute la partie bleue. Okay? Pour commencer, on se concentre sur la partie bleue, personne dans la partie verte tout de suite et la partie rose. On va tout faire ça pendant le cours aujourd'hui. Okay? Donc, premièrement, essayez de compléter la partie bleue au complet pour votre client. Okay? Et attention, sans le 3B, parce que s'il y a du stock dans le 3B, on va le faire après. Donc, pour commencer... Vous faites tout le reste de la partie bleue. Donc, premier bloc, 3A, on met tous les revenus euh, en, gagnés par la personne. On oublie la section des gains et des pertes en capital pour l'instant. 3C, on va aller lui accorder les déductions. Et 3D, on va aller déduire les pertes. C'est bon? Je donne une quinzaine de minutes. Je vous, on, on va regarder la solution ensemble tout à l'heure. OK, on regarde ça ensemble. Donc, euh, la bonne réponse, la bonne réponse, c'était 386 730. Si on, si on construisait la, tout le revenu, pardon, tout le revenu comme il se doit, on va regarder ça ensemble. Je vous rappelle que c'est formateur, il hein? ne faut pas capoter. Euh, si vous ne l'avez pas bien réussi… OK, autre chose que je vais vous montrer avant de commencer, c'est le défi, j'en ai parlé dans le premier cours, je vous donne un exemple d'une question d'examen hypothétique où mon seul objectif quand je vous évalue, c'est de voir si vous êtes capable d'être conforme à la loi. Donc là, le mandat, ce qu'on vous demandait tantôt, là, depuis 15 minutes, c'était de construire la structure d'un calcul de revenus comme c'est prévu dans la loi. Ou si vous préférez, comme c'était dessiné dans le tableau bleu tout à l'heure. Les seuls étudiants qui ont des chances d'avoir des points à l'examen, c'est ceux qui ont, fait, qui ont essayé de faire ça de cette façon-là. Ce n'est pas le temps d'être créatif et de dire Ah, oh, moi, je vais présenter ça autrement ou moi, je me reconna... je... ça marche mieux quand je sépare mes lignes différemment. Non, non, ce n'est pas ça. Là. Puis vous comprenez que le défi, il n'est pas mathématique. Je ne te paye pas parce que tu es capable de faire des plus et des moins. Un enfant de 10 ans serait capable de faire des plus et des moins. Il n'est pas là le défi. Le défi, c'était « es-tu capable de te conformer à la loi? » Donc, tu payais quatre chiffres. 342, 0, 47, 230, puis 8000. 000. That's it. Oh, « Non, mais j'ai compris, puis je te l'ai présenté autrement. » Non. « Ah, oh, j'arrive au même résultat, je l'ai juste présenté autrement. » Non. Dans la loi, on te demande quatre lignes. Revenu d'emploi, revenu d'entreprise, revenu de biens, autre revenu. Es-tu capable de t'y conformer? Oui ou non. Plus tu vas capter ça vite… Mieux ça va aller pour toi dans des cours de conformité fiscale. Donc revenu d'emploi, on prenait le salaire de. de C'est moi qui s'appelle le, le garçon, le gars Simon je vois. Eric, merci. Je prenais le salaire de, Eric, de, de Eric et je lui accordais 7500. C'était prévu dans l'énoncé qu'on lui accordait 7500 en déduction dans le calcul du revenu d'emploi. Je vous rappelle que chacune des sources de revenus. Est composé d'inclusion et de déduction. Donc, le revenu d'emploi, c'est le montant qu'on obtient en faisant un moins l'autre. Donc, j'ai un revenu d'emploi de 342 000 ici. Euh, Eric avait. Pas Eric, Oui, Eric, Oui, avait un revenu. Un, un, il opérait une entreprise, mais ça n'a pas bien été. Il hein? a 40 000 de revenus, 44 000 de déduction. Donc, on marquait zéro ici. Et la fameuse perte, on va plutôt la présenter plus bas. Si je descends un petit peu ici, là, je vous rappelle que dans la dernière section ici, 3D, c'est les mêmes sources de revenus qu'à 3A, mais on y met les pertes. Donc, la fameuse perte d'entreprise du, du, de, de l'entreprise de Eric apparaissait ici. Troisième source de revenus, revenu de biens. Le bon chiffre, c'est 47 230. C'est rien d'autre. c'est Si tu l'as ou tu ne l'as pas. On va aller voir comment c'est construit. On va aller voir la note 1. Donc 47 230 sont re, tous les revenus de biens gagnés par euh, Eric sont les suivants. Il a, il a un immeuble locatif pour lequel il y avait 45 000 de revenus euh, compensés par 25 000 de dépenses. Donc à peu près 19 000 là sont fait un et l'autre à peu près 19 000 de revenus de biens provenant de l'immeuble locatif. Deuxièmement, il y avait des revenus d'intérêt. Je vous rappelle, hein, les revenus de biens, c'est trois choses. Écrivez-le, soulignez-le, je peux vous le montrer dans les notes de cours. Soulignez-le. Des revenus de biens, c'est intérêt, dividendes, location. Trois mots, rien d'autre. Intérêt, dividendes, revenu de location. C'est des revenus passifs générés par déplacement. Donc, un revenu intérêt de 9 000. Et finalement, il a aussi encaissé un dividende. Un dividende de 13 500. La particularité au niveau des revenus de dividende, c'est qu'il faut les majoré. C'est la seule source de revenus qui a un traitement comme ça. J'allais vous le montrer à la page à la page 69 de votre volume. Donc, la particularité euh, au niveau du revenu de dividende, c'est la, la seule source de revenu qui est comme ça. Okay? Est, à chaque fois qu'une personne encaisse un revenu de dividende, elle doit le montant encaissé, ce n'est pas ce montant-là qu'elle va mettre dans sa déclaration de revenu. Elle va mettre un montant plus élevé. Donc, le revenu de dividende, avant de le mettre dans la déclaration de revenu, il faut le majorer. Donc, si tu reçois 100 si tu as reçu un chèque là, par la poste, un vrai 100 de revenu de dividende, ce n'est pas 100 que tu vas mettre dans la déclaration de revenu. C'est soit 115 ou 638 dollars. Même si tu as reçu 100 pour vrai, tu t'imposes sur 115 ou sur 138 Donc, il y a deux majorations possibles, 15 ou 38 Ça dépend du, de l'appellation du dividende. Si le dividende s'appelle un dividende déterminé, tu lui appliques la majoration de 38 Si le dividende s'appelle un dividende autre que déterminé ou qui ne se qualifie pas de dividende déterminé, tu lui appliques la majoration de 15 ça va toujours être dit dans l'énoncé. À ce stade-ci, tu n'es pas capable de, 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 de juger si un dividende se qualifie de dividende déterminé ou pas. Je dois te le dire absolument, puis je vais te le dire à chaque fois. Donc, -ce, dans l'énoncé, qu'est-ce qu'on qu qu apprenait là-dessus? C'était dit hein, que c'était un dividende déterminé. Donc, 13 500, que je majore de 38 on va imposer 16 000, pardon, 18 630. C'est ce qui faisait notre revenu de biens. Je vous rappelle, hein, on les combine, les trois sources de revenus de biens. On combine loyer, location, intérêt, dividende. Puis les dividendes, il ne faut pas oublier de les majorer. 47,230. Vous m'arrêtez, j'ai des questions. La dernière, sur, la dernière partie, c'est les autres revenus. Donc, on en avait pour 8 000. C'est ça la bonne réponse. C'est 8 000 et rien d'autre. Ah, oh, mais j'ai mis 8 000 plus d'autres choses. Donc, tu vas me payer mon 8 000. Puis tu vas, tu vas laisser faire le, le plus que j'ai rajouté. Non, non, il faut que tu mettes 8 000 et seulement 8 000. C'est autant une erreur de ne pas déclarer un revenu que de déclarer un revenu de trop. C'est autant une erreur de ne pas mettre une source de revenu que de la contaminer avec une autre source de revenu qui est erronée. Oui, Maurice? Ben, euh, on va l'étudier en temps et lieu, mais la réponse est oui, mais surtout... C'était dit dans l'énoncé. À ce stade-ci, es, ce n'est pas à toi de déterminer. Ici, on te dit que c'est un revenu d'autres sources. C'est écrit. C'est comme si tu avais écrit revenu d'emploi ou revenu d'entreprise. Je t'ai écrit revenu d'autres sources. Ça ne peut pas être plus clair que ça. Oui, c'est imposable. Revenu de tiré de mais, mais à ce stade-ci, tu n'as même pas besoin de le savoir. À ce stade-ci, il faut que tu trouves mes indices. Je te le dis dans le cas où placer un élément. Quand je te dis que c'est un revenu d'autres sources, tu devrais comprendre que ce n'est pas du revenu d'emploi, que ce n'est pas du revenu d'entreprise, puis que ce n'est pas du revenu de bien non plus. Il faut le mettre sur la quatrième ligne. Donc, c'est ce qui composait notre fameux. Donc, tout le monde comprend que si je prends 342 000 de revenus d'emploi, plus zéro ici de revenus d'entreprise, plus 47 230 de revenus de biens, plus 8 000 de revenus euh, d'autres sources, et que je fais mo euh, moins 3 500 ici, qui est la perte d'entreprise. Et le dernier élément, donc euh, je vous rappelle que le premier bloc, on vient de le compléter. Le deuxième bloc, il fallait l'ignorer pour l'instant. Donc c'est correct qu'il n'y a rien là. Dans le troisième bloc, on allait voir s'il y avait des déductions ici. Donc c'est 7 500 la bonne réponse. Donc, dans l'énoncé, on vous parlait d'une déduction d'un montant de 7500 qui se place dans le calcul du revenu. Donc, ici, juste en, ici, déduction prévue dans le calcul du revenu. Je ne peux pas être plus clair que ça. Déduction prévue dans le calcul du revenu. Il y en a d'autres qui ont mis une autre, dédu une autre déduction ici. Il ne fallait pas le contaminer par le, le 4000. Hein, ici, c'est quoi qui est écrit ici 4000? Déduction prévue dans le calcul du revenu imposable. C'est la même chose, ça? Déduction dans le calcul du revenu, puis déduction dans le calcul du revenu imposable? C'est du synonyme? Mais non. Le calcul du revenu, c'est la partie bleue. Le calcul du revenu imposable, c'est la partie verte. Donc, tu devais prendre uniquement celui de, le 7500 qui allait dans la partie bleue. Ah, mais ça donne le même résultat à la fin, peu importe où on le place. Il faut être sûr d'avoir des questions d'examen là-dessus. On passe trois heures là-dessus, le cours au complet, pour bien placer les éléments conformément à la loi. C'est clair vous allez être testé là-dessus à l'examen. Il va falloir que ce soit bien fait. Ce n'est pas dur. Pratiquez, 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 puis à un moment donné, vous êtes capable de le faire. Mais il faut que vous soyez exigeant envers vous-même et que vous placiez bien les éléments ceux qui ne sont jamais exigeants envers vous-même, vous dites, oh, je vous l'ai fait à peu près de la même façon, ça ne marchera pas à l'examen. On est là pour apprendre, c'est correct. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, c'est ce qui faisait mon fameux... Euh, si je prends tous les chiffres qui sont en jaune, là, 342 plus 0 plus 47 plus 8, moins le 7500 de déduction et moins le 3500 de perte, c'est ce qui vous donnait le fameux 386 730. Est-ce qu'il y a des questions? Excellent. de allez avoir accès, bien sûr, à cette solution-là après le cours. Ben, on, on va poursuivre, on va, on va prendre les 20 minutes qui nous restent, on fera la solution après la pause, bien sûr, pour faire la deuxième partie, donc uniquement la partie 3B. Donc, toujours dans le calcul du revenu, là, la fameuse partie que vous n'avez pas fait. on s'y attaque pour les 20 prochaines minutes. Donc, d'aller construire comme il faut toute la partie euh, qui traite des gains en capital imposable et des pertes en capital déductible. Vous avez tout ce qu'il faut dans votre volume. Je prés... je... Vous avez lu, vous avez écouté des vidéos, vous m'avez posé des questions sur Wikifisc, vous avez fait peut-être le questionnaire à choix multiple. Euh, devrie... Vous devriez savoir un peu dans le livre là, comment, je ne dis pas que tout doit, être bien... tout, tout, tout doit être bien fait sans erreur, mais vous devriez savoir un peu où aller trouver votre information. C'est bon, on s'en reparle dans une vingtaine de minutes. OK, alors je vais reprendre. Je vous s'il vous plaît de fermer vos téléphones cellulaires, s'il vous plaît de les éteindre et de les mettre de côté. On donne, on donne un dernier petit coup, une heure. Et on va passer à travers ce problème-là. Vous voyez l'extrait le, de solution à l'écran, les fameux quatre chiffres qu'on cherchait. Dans les, dans les quatre, donc vous voyez que ces quatre boîtes-là colorées, c'est l'équivalent des quatre boîtes que j'avais mis à l'écran tantôt. Elles ne sont juste pas dans le même sens. Mais la première boîte donnait 2 la deuxième donnait 0, la troisième donnait 8 300 et la quatrième donnait 7 000. Et comment on, doit comment on doit traiter ces boîtes-là? La loi dit, ces deux premières boîtes-là, on les additionne. Donc 2950 plus 0, ça donne 2 950. Et la loi dit, ici, euh, la, la boîte mauve, ici, c'est toutes les pertes en capital déductibles subies par la personne. Donc, euh, j'ai deux, deux pertes là-dedans. On va le voir, là, une de 7000 et une de 1300. Donc, 7000 plus 1300, ça fait 8300. Puis, dans un deuxième temps, on dit parmi ces deux pertes-là, les deux que je viens de nommer, parmi ces deux-là, lesquelles se qualifient de PDTPE? Donc, il y en avait une parmi les deux, le 7000. Donc, je l'enlevais. Donc, 8300 moins 7, il reste juste une perte ici. Il reste juste le 1300 qui ne se qualifie pas de PDTPE. L'autre 7000, il s'en va se déduire plus bas dans la structure. Les pertes en capital qui se qualifient de PDTPE sont plutôt déductibles à 3D. Donc, ce 7000-là, il ne disparaît pas. Il est déplacé. Et le 7000, il quitte 3B pour s'en aller à 3D. Et est-ce que c'est avantageux, ça, vous pensez, pour le contribuable, ce déplacement-là ou pas? Oui, c'est avantageux. Pourquoi? Parce qu'il va être déductible contre toute source de revenus. Une perte en capital standard, c'est uniquement déductible contre des gains en capital et rien d'autre. Une perte en capital standard, tu ne peux pas aller éponger ça contre d'autres sources de revenus que du gain en capital imposable. Alors que celle qui se qualifient de PDTPE profitent d'un déplacement. Et le 7 000 ici, on le déduit en entier. On a en masse de revenus à 3A. Là. Regardez l'ampleur du revenu. Il frôle les 400 000. Ça fait qu'il est facilement capable de déduire sa PDTPE de 7 000 au complet, sa perte en capital déductible qui se qualifie de PDTPE. Alors que si on l'avait laissé ici, le 7 000, est-ce qu'il aurait pu se déduire? Hein? Pas assez de gains. Avec 2 950 de gains, tu n'aurais jamais réussi à déduire 7 000 de pertes. Donc, c'est un avantage. Je veux juste vous montrer que ce déplacement-là, c'est un avantage. Bien sûr, on va aller voir ces quatre calculs-là, ces quatre montants-là, comment on les a trouvés. Donc, je vous remonte les pages de tout à l'heure. Donc, dans le fond, il faut bien comprendre qu'il y a trois types d'immobilisations différents dans, aux, aux yeux de la loi pour lesquels il y a des traitements fiscaux un peu différents. J'ai utilisé un jeu de couleurs, d'accord, pour que vous puissiez les repérer. Puis on, va les, on va les voir dans le livre. Pour les, pour les besoins du cours, rappelons-les les biens oranges, les biens mauves, les biens verts. D'accord? Puis vous comprenez qu'il y a trois types de biens que je peux, trois types d'immobilisations différentes avec des traitements fiscaux différents. Puis chacun peut générer soit un gain ou soit une perte. Donc trois biens qui chacun génère soit un gain soit une perte, ça fait six pastilles. Regardez, un, deux, trois, quatre, cinq, six. Mais six pastilles sont là. Donc les, toutes les possibilités sont dans ce tableau-là. Peu importe lequel des trois biens tu vends. Peu importe si tu fais un gain ou une perte en le vendant. Il y a six possibilités. Donc, si tu vends un bien orange et que tu fais un profit, le résultat, tu le mets là. Si tu vends un bien orange et que tu fais une perte, le résultat, tu le mets là. Si tu vends un bien mauve et que tu fais un gain, le résultat, tu le mets là. Si tu, fais un, si tu vends un bien mauve et que tu fais une perte, la perte est non déductible. Tu la mets à nulle part dans le rapport d'impôt. Elle ne doit pas apparaître. Si tu vends un bien. Euh, je cherche mes couleurs, vert, et que tu fais un profit, tu le mets là. Et si tu vends un bien vert et tu fais une perte, tu le mets là aussi, en moins, bien sûr. C'est comme ça que tu construis tes boîtes. Il y a six possibilités, il n a pas plus. Je cherche mon crayon. Comme d'habitude. Regardez ici, trois, nos trois biens. Un est un sous-ensemble de l'autre, puis un, un, vous voyez que c'est trois, trois, trois biens qui sont un, un sous-ensemble l'un de l'autre. Donc, on a des biens jaunes orange qui sont des immobilisations standards on a des biens mauves qu'on appelle les biens à usage personnel et on a un autre sous-ensemble encore plus restrictif, vert, qui sont les biens meubles déterminés. Les immobilisations c'est tous les biens que l'on a vendus qui ne sont, qui sont, qui se qualifient pas ni de biens orange ni de biens vert. Donc, dès que le bien n'est pas un, euh, vert ou orange, il tombe dans le… Pardon, dès qu'il n'est pas mauve ou vert, il tombe dans le orange. Donc, on va retrouver tous les biens, euh, toutes les immobilisations qui sont acquises pour des fins commerciales essentiellement. Donc, dans le sens que tu as acheté un placement pour faire un revenu ou tu as acheté un, un, un bien pour opérer une entreprise, on est à l'opposé d'un bien, un bien usage personnel. Il y a deux grandes familles, il y a deux grandes différences. Un bien, soit tu l'acquiers pour des fins personnelles ou soit tu l'acquiers pour des fins de générer un revenu. Au niveau des particularités fiscales, qu'est-ce qu'il y a de particulier quand je vends un bien orange? Rien. C'est le plus simple. Si tu fais un gain, tu le mets dans, une, dans la première boîte. Si tu fais une perte, tu le mets dans la deuxième boîte. Toujours fois 50 bien sûr. Donc, ça, c'est les, les immobilisations les plus standards. Les biens mauves. Les biens mauves, ce sont des biens à usage personnel. Donc, c'est un sous-ensemble des biens orange. C'est des biens que tu as acquis, non pas pour gagner un revenu. C'est des biens que tu as acquis pour ton usage personnel. C'est des biens personnels à toi. Vous avez tout ce que vous possédez dans la vie, chers étudiants, à moins que je vous connaisse mal et que vous ayez une entreprise sans que je le sache, mais tout ce que vous possédez dans la vie, c'est des BUP. Ton ordinateur, tes lunettes, tes boucles d'oreilles, ton masque, ton auto, tout ce que tu as dans la vie, c'est un bien usage personnel. Donc, c'est un bien que tu n'as pas, pas acquis pour acheter, tu ne l'as pas acquis pour gagner un revenu, tu l'as acquis pour le consommer personnellement. Moi, quand je vais chez Walmart et que j'achète un gris pain pour ma famille, c'est quelle couleur ça C'est orange ou c'est euh, mauve C'est mauve. Quand Tim Horton achète un gris pain pour ses restaurants, est-ce que c'est un bien orange ou mauve Orange. Vous voyez, Le, pourtant les deux sont un gris pain. Ça dépend de ce que tu en fais. Si tu achètes un grille pour tes besoins personnels à la maison, c'est un bien orange, un bien mauve, pardon, alors que si tu l'utilises dans le cadre d'une opération commerciale ou s'il si a été acquis pour gagner un revenu, comme pour le mettre dans ton restaurant, il tombe, jaune, il tombe dans la catégorie orange. C'est du gros bon sens. Quelles sont les particularités fiscales lorsque tu vends un bien euh, orange? Si tu fais un gain, il est imposable. Donc, si tu vends des billets de hockey, si tu vends une auto... Si tu vends n'importe quoi, que tu, tout ce que j'ai nommé tantôt, tu vends ton ordi, tes lunettes, tes boucles d'oreilles, ton masque, pour si ça se vend, tout ce que j'ai dit tantôt, ton auto, ta maison. Bon, on ne parle pas de la maison, là. les autres biens. Okay? Si tu fais un profit, tu vas t'imposer dessus. Mais c'est rare. Parce que par définition, un BUP, ça perd de la valeur. Connaissez-vous beaucoup de biens personnels que plus tu l'utilises, plus il prend de la valeur. Tout ce que j'ai nommé tout à l'heure, là. La plupart du temps, on va le vendre moins cher qu'on l'a acheté. Donc, c'est rare qu'on fait un gain. C'est rare qu'on voit des gains. Mais ça peut arriver. Puis, si ça arrive, il faut les imposer. La perte, elle, ça, c'est fréquent. 99 des BUP sont vendus moins cher qu'on les avait achetés. C'est normal. Et on doit les mettre à nulle part dans la déclaration de revenus. Ce n'est pas déductible. On ne peut pas mettre ça dans son rapport d'impôt. C'est comme la perte, elle est réputée nulle. C'est comme si elle n'existait pas. À main levée dans la classe ici, là, qui a déjà vendu une voiture sur le marché usagé? Levez la main. Non, non, regardez la main levée. Oh, je veux voir, je ne vois rien. Parfait. À main levée, qui a vendu sa voiture moins chère qu'il l'avait achetée? <laughs> hey. Je vais voir Gabriel parce qu'il a baissé sa main. Tu l'as vendu plus cher que tu l'avais acheté? Ta, ta voiture, tu l'as vendue plus cher que tu l'avais acheté. Moins cher. OK, on laisse la main levée alors. Tout le monde sait. Donc, deuxième question, je... qui l'a vendue moins cher qu'il l'avait acheté? Qui a mis cette perte-là dans son rapport d'impôt? Personne. Donc, vous avez appliqué la règle sans même le savoir. C'est du gros bon sens. Personne, il n'y a personne qui va aller mettre dans son rapport d'impôt parce que vous venez de vendre, vous avez fait la vente d'un bien-usage personnel tout le monde a fait, fait des pertes en vendant ces biens-là, que personne qui aurait osé, je pense, mettre ça dans son rapport d'impôt. Donc, instinctivement, vous avez bien appliqué la paix. Dernière petite particularité, c'est moins important, il y a une règle qui dit sur ces genres de biens-là, pour éviter, de, pour éviter de, de congestionner un rapport d'impôt avec plein de ventes, pas super importantes, avec des, de, petits, de petites valeurs, il y a une règle qui dit, si, quand tu vends un bien euh, mauve, là, si ton prix de vente réel est en bas de 1 000 fais semblant qu'il est de 1 000 Même chose pour ton coût d'achat. Si ton coût d'achat réel est en bas de 1 000 fais semblant qu'il est de 1 000 Ça fait en sorte que des petites transactions, tu genre, euh, j'ai acheté une oui 200 je l'ai vendu 225. Ce serait lourd là, de voir mettre ça dans notre rapport d'impôt. Fait que là, on comprend qu'avec cette règle-là, ça va faire 200, on met 1000, 225 on met 1000, moins, 1000, moins 1000, on le déclare pas. Ça revient un peu à dire ça. Donc, c'est logique. Et finalement, on a un troisième sous-ensemble. Parmi les biens usage personnel, il y en a qui sont un peu différents parce qu'ils sont un peu plus précieux. Et compte, donc, un bien meuble déterminé, c'est un bien usage personnel à la base, mais, mais compte tenu de sa nature plus précieuse, ça pourrait prendre de la valeur. Ce n'est pas comme ton masque ou comme ton ordi qui est sûr qu'il va perdre de la valeur. Acheter une collection de bijoux, acheter une collection de sculptures, acheter une collection de pièces de monnaie, de cartes de hockey, oui, tu l'achètes pour ton, ton agrément personnel, mais compte, compte tenu de cette, de cette nature-là, peut-être, qui sait, tu pourrais revendre ça à profit. C'est pour ça qu'on en a fait une catégorie distincte. On a appelé ça des biens meubles déterminés. Si je fais un gain, c'est imposable. Comme, comme n'importe Les gains sont toujours imposables. Peu importe la couleur, là, les gains sont toujours imposables. Qu'est-ce qu'on fait des pertes? À date, on a vu deux traitements extrêmes. Ici, les pertes sont totalement allouées. Ici, les pertes sont totalement refusées. Qu'est-ce qu'on fait avec une perte sur un bien vert? C'est une position milieu. La perte n'est pas totalement acceptée ni totalement refusée. On va t'accorder le droit de déduire la perte sur un bien vert, mais seulement à l'encontre d'un gain que tu ferais en vendant un autre bien meuble déterminé, un autre objet de collection. Donc c'est pour ça qu'on les on les isole dans la même boîte les biens verts. Autant les gains puis les pertes sont pognés dans la même boîte. Ça fait en sorte que si tu vends une collection de cartes de hockey puis tu perds 300 dollars, la seule façon de mettre ce, ce 300 dollars-là dans ton rapport d'impôt Arrange-toi pour vendre un autre objet de collection. Arrange-toi pour vendre un autre objet de collection, puis cette fois-là, faire un gain. Donc, je te souhaite d'avoir une collection de tableaux ou une collection de sculptures, puis de la vendre, puis de faire un gain en vendant un autre bien-meuble déterminé. Parce que c'est la seule, seule, seule façon de passer ta perte que tu as faite sur ta, ta, ta vente de collection de cartes d'hockey. De Peut-être que ce ne sera pas dans la même année. Il y a une période de rapport. Pas super important, les rapports. On, peut... on a 10 ans, dans le fond. On, a... on peut le reporter. Si je fais une perte cette année, je dois trouver des... un autre gain sur bien déterminé. Mais je ne suis pas obligé de le retrouver cette année, dans la même année. Ça serait trop difficile à réaliser. Je peux aller voir dans les trois dernières années. L'autre, en 2021, cette année. Est-ce qu'en 2020, 2019 ou 2018, dans mon rapport d'impôt, est-ce qu'il y avait des gains sur bien meubles déterminé? Si oui, ma perte de 2021, je vais l'envoyer là contre ces gains-là. Sinon, je peux aussi attendre 7 ans. Donc, si en 2021, ma perte, je ne peux pas la prendre sur la vente de, de mes billets de hockey, de, ma, de mes cartes de hockey, pardon, puis que je n'avais pas fait de gains en 2020, ni en 2019, ni en 2018, j'ai 7 ans pour l'utiliser. 2022 jusqu'à 2028. En 2028, ça va être le dernier rapport d'impôt où je vais pouvoir espérer utiliser ma perte de 2021. Après ça, ça serait... Donc, il y a comme 10 ans... Où on peut faire, utiliser cette perte-là, les trois années déjà produites ou les sept années à venir. Maurice, tu as une question? Oui, tu vas te appeler. Au gouvernement. Dans le fond, ça se fait à l'intérieur de l'ordinateur du gouvernement. Le gouvernement va modifier ta déclaration déjà produite, puis ils vont t'envoyer un retour d'impôt pour tenir compte du, du, du fait que tu as passé une perte dans un rapport d'impôt déjà produit. C'est une technicalité qui est. Merci, Maurice, c'est une bonne question c'est pas, pas pas besoin de comprendre c'est un peu besoin juste à savoir que ça se fait un peu de comprendre comment ça se repère dans le pauvre. donc ça c'est l'essentiel donc si je vais avoir, si on va appliquer ça à notre réalité maintenant à notre cas euh, la première boîte, 2950 vous vous rappelez qu'est-ce qui va là-dedans il y en a qui se rappellent les pastilles je peux vous leur montrer les pastilles orange et euh, mauve mauve donc allez donc, ici, la première boîte, j'ai vendu des actions de la société TR Corp. J'ai fait un profit de 5 500 fois 50 Deuxième transaction, j'ai vendu des billets de hockey. Un billet de hockey, c'est un bien usage personnel. J'ai acheté ça pour mon agrément personnel. J'ai eu la chance de leur vendre à profit. Bon, c'est comme un cas rare, comme je disais tout à l'heure. Donc, je l'ai vendu euh, 1400. mon billet de hockey, ma paire de billets de hockey. C'est en série. Combien j'avais payé? 700, je pense. Je n'ai pas le chiffre sous les yeux, mais c'était en bas de 1000. Il hein? faut faire semblant que c'est 1000. C'était en bas de 1000, on fait semblant que c'est 1000 et on s'impose sur 200 Donc, c'est ce qui compose votre 2950 pour la première boîte. Deuxième boîte ici. Qu'est-ce qui va là-dedans? Est-ce que vous vous rappelez des couleurs des pastilles? Pour, pour juste le savoir par cœur, vous pouvez regarder dans votre livre, l'examen, c'est livre ouvert. C'est l'hiver, les, hein? les profits et les pertes ensemble là, de, sur les biens verts. Qu'est-ce qu'on a eu comme vente d'objets de, de collection cette année, nous? On en a eu deux. J'ai vendu une œuvre d'art en bas de 1000, je ne me rappelle pas combien. Je l'avais payée en bas de 1000, je ne me rappelle pas combien. 1000 moins 1000 donne zéro. Et j'en ai vendu une deuxième, une collection de pièces de monnaie. Je l'ai vendue 2005, je l'avais payée 3005. Donc ici, j'ai une perte en capital déductible de 500. Ce 500-là, il est emprisonné dans la boîte. Il ne peut qu'être épongé contre du gain de même nature. Il ne peut pas sauter dans les autres boîtes. Il ne peut pas déduire ce 500-là contre des gains sur des actions en haut. Là. Il est pris dans la boîte. Comme il ne trouve pas de gain cette année, on a C'est tant pis. Donc, la perte de 500 pour cette année ne sert pas. On pourra voir si on ne pourrait pas la reporter. Moins 3 ans, plus 7 ans. Troisième boîte, ici, est-ce que vous vous rappelez les pastilles qui vont là-dedans? Je pense bon, que c'est pas mal juste ça de mémoire. Donc ici, dans le fond, c'est les pertes sur des biens oranges. Tout simplement. Seulement des pertes sur des biens ranges qui vont là. Allons voir. J'en ai pour 8003. Dans le fond, j'en ai deux biens, deux transactions. J'ai vendu à perte des actions de la compagnie Q88 Inc. Je les avais vendues. Bon, vous voyez ici, je fais une perte de 1300, perte déductible. Deuxième transaction, j'ai vendu des actions de Psy Incorporé. C'est des actions que j'ai vendues pour zéro. Ils ne valaient plus rien. Je les avais payées payé à l'époque 14 000. Donc, 7 000 de pertes. Troisième transaction qu'il ne faut pas mettre, la vente de la voiture personnelle. Ça, c'est un bien mauve. Il ne faut pas le mettre ici. Donc, rappelez-vous que les, si, le fait que j'aie vendu ma voiture à, sur Kijiji, beaucoup moins cher que je l'avais acheté, c'est prévisible. Ce 7 500 $-là, on ne le met pas dans le rapport d'impôt. C'est un bien mauve, ça. On met ça à nulle part, les pertes sur les biens mauves. Donc, j'ai deux pertes. Je vous le disais tout à l'heure. Une de 1 300 et une des 7000 pour un total de 8300. Dernière question. Parmi ces deux pertes-là, parmi ma perte de 7 000 plus 1300, parmi ces deux-là, lesquelles se qualifient de PDTPE? Il y en a une, c'est écrit dans l'énoncé, le 7000. Le 1300, il ne se qualifie pas de PDTPE. Donc, je, dans le 8300, que je vous rappelle qui est composé de 7000 plus 1300, on enlève 7000 et on va le déplacer dans notre revenu pour aller le déduire plus bas contre toute source de revenu. Donc le 7000 est déplacé ici en bas, alors que le 1300 restant, lui, n'est pas déplacé. L'autre perte ne se qualifie pas de PDTPE, ne sera pas déplacée et va devoir euh, s'appliquer contre du gain capital. Donc, 2950 de gains, 1300 de pertes en capital déductible. On doit déclarer ici 1650. Bon, évidemment, le moins le 7000, plus bas. Bon. Des questions là-dessus? Euh, Derek, j'allais le dire. Je t'écoute, Derek. Oui. Ben, je peux te remontrer les chiffres vite vite. Là, il y a deux transactions dans le fond. Tu as euh, ici. Tu as la vente des actions 4 900 moins 7 500 fois 50 ça donne 1 300. L'as-tu ça? Puis l'autre transaction, c'est des actions de la compagnie psy incorporée. Tu l'as vendu zéro, tu l'avais payé 14 000. Ça fait fois 50 tu avais fait une perte en capital de type de 7 000. Tu l'as-tu, ça? Il n'y a rien d'autre. Fait que tu, te, tu devrais arriver à 8300 comme moi avec ces deux chiffres-là. C'est bon? Ça fait plaisir. Autre question? Bien sûr, vous allez avoir la solution bientôt, là, vous le savez. Donc, il y a un dernier coup, on termine le problème. Donc, on fait le reste du rapport d'impôt maintenant. Euh, donc, ouais, la verte est la... La verte est la... Donc, à ce stade-ci... Je vais revenir un petit peu à Donc, à ce stade-ci, toute la partie bleue est finie. Okay? Donc, en deux étapes, là, ça nous a pris du temps mais ça, ça valait la peine de bien le faire. Tout, 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 mon revenu fiscal, mon revenu-là est terminé, y compris le 3B. Fait qu'on fait le reste du rapport d'impôt. La partie verte, le calcul du revenu imposable, ce ne sera pas trop long. Et la partie rose, le calcul de l'impôt. C'est bon, on se donne une quinzaine de minutes, 20 minutes et on va regarder ça ensemble pour finir. On va regarder la solution ensemble. La solution finale. D'ailleurs, je viens de la faire apparaître, comme je fais à chaque semaine. Donc, dans votre portail de cours, euh, il, y une, il y a un nouveau fichier qui vient d'apparaître. C'est le fichier solution. Je vous laisse cinq minutes pour le télécharger, ou en tout cas, euh, dans les prochaines. Il le, ne faudrait pas que je l'oublie tantôt, mais je veux le faire disparaître au plus vite parce que je ne veux pas qu que les étudiants du groupe de midi l'utilisent. Donc, je vous donne quatre-cinq minutes ceux qui veulent le télécharger. Sinon, pas de panique, à trois heures, quand je vais finir mes deux groupes, il va rester euh, affiché. OK, alors euh, la dernière partie de la solution, on avait, on avait notre revenu qui est la partie bleue, 381, 380. Euh, je, donc euh, la, ici, pour, la, 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 la partie suivante, c'est la partie verte. Ça s'appelle le calcul du revenu imposable. Il y avait une déduction, c'était bien identifié. Dans l'énoncé, on vous disait que c'était une déduction admissible dans le calcul du revenu imposable, donc il fallait la placer dans la partie verte, ce qui vous donnait 377 000 si j'arrondis. Je vous rappelle les cinq étapes, encore dans le fichier ici, là, avant de les résoudre. Les cinq étapes dans un calcul d'impôt, application de la table d'imposition, celle que vous retrouvez dans votre volume, sujet 7, le point 3. Ensuite, deuxième partie, application des crédits d'impôt personnels. C'est important leur appellation. Ça s'appelle des crédits d'impôt personnels. Ce n'est pas la même chose que les autres crédits d'impôt. Donc, quand on, dans l'énoncé, on, on vous donne comme énoncé, on vous parle de, des crédits d'impôt personnels. C'est tous ceux qui vont ici, en deux, dans la deuxième section. Vous arrivez à un total qui s'appelle l'impôt fédéral de base, l'abattement d'impôt du Québec, troisième section. Quatrième section, les autres crédits d'impôt. Dans l'énoncé, quand on vous parle d'autres crédits d'impôt, on ne les met pas avec les crédits d'impôt personnels. On les met après l'abattement, dans la quatrième section. Et finalement, on retranche les paiements d'impôts déjà effectués en cours d'année. Donc, si je prends mon revenu imposable de 377 000 et que je décompose selon la table d'imposition en vigueur en 2021, tel qu'on retrouvait dans votre volume, sujet 7, le premier 49 000, je l'impose à 15 Tout le revenu imposable qui se situe entre 98 et 49, je l'impose à 20,5 tout le revenu imposable qui se situe entre 500, 151 pardon, et 98, je l'impose à 26 Tout le revenu imposable qui se situe entre 151, 900 et 216, je l'impose à 29 Et tout ce qui excède 216, 511, je l'impose à 33 Donc, dans mon cas, le revenu imposable de 377, 380, moins les 216, 511 imposés dans les paliers précédents, ça va vous donner le dernier palier que vous imposez à 33 Donc, vous devriez à peu, à peu près arriver à 103 000 d'impôts à la sortie de la table d'imposition 2021. Deuxième étape, on applique bêtement les crédits d'impôt personnels qui vous étaient donnés dans l'énoncé. Donc, il y en avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pour un total de 6 140. Donc, je vous rappelle que les crédits d'impôt personnels, leur rôle, c'est d'abaisser l'impôt. Donc, 103 moins 6, on est rendu à un impôt fédéral de base de 97 000. Troisième étape, pour les résidents du Québec, puis pour les fins du cours, on l'applique toujours, l'abattement d'impôt du Québec. Nous, là, au Québec, c'est ça notre réalité, on l'applique toujours. Donc, on va euh, enlever 16,5 de l'impôt fédéral de base. Donc, 97,088 fois 16,5, on enlève 16 000 d'impôt pour les résidents du Québec. Quatrième section, les autres crédits d'impôt. Il existe quelques crédits d'impôt qui, qui font partie de la section des autres crédits d'impôt et on doit aller les placer après l'abattement. L'énoncé était clair là-dessus, il y en avait un, crédit de 225 Ce qui vous donne comme chiffre final votre impôt payable, à peu près 80 800. Je vous rappelle que l'impôt payable, c'est ni plus ni moins que votre dépense d'impôt finale pour l'année. C'est vraiment... L'impôt que vous allez avoir payé ou que vous en cours d'année. Maintenant, combien vous devez envoyer au gouvernement quand vous produisez votre déclaration? Bien, il faut vérifier. De ce 80 000-là, combien j'en ai déjà envoyé? 78 000. L'énoncé vous disait que sur vos salaires ou peu importe, vous aviez déjà envoyé 78 000 d'impôt au gouvernement. Bien, il en reste donc 2 800 à envoyer. C'est ce qu'on appelle le solde dû. Ce n'est pas la section la plus compliquée. Là. Si vous suivez bêtement ces cinq étapes-là, ça devrait bien aller. Oui, euh, Marie-Ève? Oh, je ne vous pénaliserai jamais pour des questions d'arrondissement. Vous, vous arriveriez à 2, 3, 4, 5 proches de mes chiffres. Ça serait, ça serait bon aussi. L'important, c'est d'arriver à peu près à ces chiffres-là. Bien sûr, c'est oublier un élément, c'est une autre affaire. Mais si vous avez juste arrondi différemment, il n'y a pas de problème. Vous ne serez jamais pénalisé pour ça. Merci, Marie-Ève. D'autres questions? Écoutez, je ne sais pas comment ça a été aujourd'hui. Je pense que le problème vous a aidé, mais vous comprenez… Même si vous avez eu l'impression que ça n'a pas bien été, le calcul du revenu, la partie bleue, ça ne marchait pas le, par vous-même. Là. Puis là, je suis allé vous donner une explication. Puis, ah, OK, là, je pense que je j'avais pas vu ça comme ça. Là, on arrive ici, euh, vous n'avez pas réussi à le faire par vous-même. Je vous donne une explication. Ah, OK, je ne l'avais pas vu comme ça. comprenez que c'est à ça qui sert le problème. C'est à ça qui sert le problème. On s'en fout que ça ait bien été ou pas. C'est un prétexte pour que je puisse vous passer des notions qui sont primordiales. Là, maintenant, le plus important pour vous est à venir. C'est rien, ça. J'étais là pour vous aider. Le plus important, maintenant, c'est d'être capable de répéter. Es-tu capable de répéter ça seul, par toi-même? La balle est dans ton camp. Va dans la BQI en fiscalité, tu en as plein. Il faut voir que tu sois capable de faire ça par toi-même parce qu'à l'examen, c'est clair qu'il y a un problème comme ça qui s'en vient. C'est la base, ça. Il n'y a pas de piège là-dedans. C'est juste de valider. Es-tu capable de construire un revenu? Es-tu capable de construire un revenu imposable? Es-tu capable de construire un impôt? C'est sûr que c'est ça qui s'en vient. Ça ne me gêne pas de le dire. C'est beau? Good. Thank you